Quand le prince William se laisse aller, il ne fait pas les choses à moitié. Le 1er août dernier, le duc de Cambridge avait organisé sur la pelouse de Sandringham une retransmission de la finale de la FA Cup, pour sensibiliser à la campagne Heads Up Mental Health. L'occasion pour lui de se remémorer avec humour du dimanche précédent, en racontant sa réaction au but marqué par le club de football Aston Villa lors de son match face au West Ham United FC. Et ce que l'on peut dire, si est que ses nerfs ont craqué, comme le rapporte le magazine Hello. Mes enfants m'ont regardé avec horreur alors que je sautais sur le canapé en hurlant, a-t-il ainsi raconté. Une anecdote cocasse dont il n'y a malheureusement eu aucune photo pour l'immortaliser. Si est-il une très bonne chose que je puisse me cacher dans ces moments-là, a-t-il ainsi ajouté. Il faut dire qu'en tant que fan d'Aston Villa depuis plusieurs années, le prince William avait de quoi sauter de joie en voyant son club favori marquer un but lors de son match face à West Ham. Toutefois, pas de victoire grandiose pour le club, puisque le score a fini sur un match nul. William verrait bien son fils George faire carrière dans le foot, une réaction très enjouée visiblement semblable à celle du prince George lorsqu'il assiste à des matchs de football, lui qui est aussi un supporter d'Aston Villa, comme son papa. Un club où le prince William espère d'ailleurs un jour voir son fils aîné s'épanouir, puisqu'il nourrit des espoirs très grands dans une éventuelle carrière dans le football. Interrogé par l'ex-star du foot Peter Crouch, le duc de Cambridge s'était ainsi vu demander si selon lui, son petit garçon de 7 ans pourrait un jour être le meilleur buteur de tous les temps d'Aston Villa, qui n'est autre que son club préféré. Certainement, je pense qu'il le pourrait, a répondu le prince William, catégorique, sur les ondes de BBC Radio 5 Live. Je pense qu'il pourrait être leur buteur leader de tous les temps. Je ne vois aucune raison pour qu'il ne soit pas ainsi. Ce serait génial, précisait-il.